vous allez bien. Aujourd'hui, chers amis, un concept qu'on a déjà fait, je crois, quelques fois. On va se donner chacune 2 photos Instagram à reproduire. Petit disclaimer, je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée il y a 4 mois. D'où les cheveux, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'était il y a un long moment. C'est pour vous dire le temps qu'il a fallu pour qu'on se réunisse entre Tahiti et la vie de tous les jours. Moi, ici, je vais reproduire les photos de Dooms et de Marie. Et sur la chaîne de Dooms, par exemple, elle va reproduire les photos de Marie et moi. Donc, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos pour avoir les différents points de vue. Je vous mets tout en description. Et c'est parti. Les filles, êtes-vous prêtes à voir les magnifiques photos que vous allez devoir reproduire? En espérant que t'aies pas été trop vilaine, hein, parce que... Mais vous êtes forcément toutes les deux vilaines. Non, absolument pas. Pour une fois, j'ai été sage. J'étais de bonne humeur aujourd'hui. Je veux du sexy. Oh my god. Mais non. Oh là là. Non mais par contre c'est un thème le noir et blanc. Je suis grave make-upisée pour la première. Donc je veux le même make-up. Et la deuxième une certaine pose naturelle. En plus t'es pas maquillée là du coup sur la deuxième. Elles sont trop belles mais avec toi dessus en fait. Ce n'est pas compatible avec, avec moi. Oh seigneur. Ok donc le thème de Doom c'est sexy en noir et blanc. Sexy en noir et blanc. Vas-y Marie. Toi je parie que du coup ça va être un thème nature. C'est Marie et Dodo. Mais... Elle me connaît par cœur. Mon thème est totalement ce que Suns Up vient de décrire. Dans la nature et de dos. Et une de nuit, évidemment, avec les étoiles. Non mais meuf, t'as vu le temps qu'il fait en ce moment? Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne là? Oh my god, mais la deuxième va être super dure. Celle dans le noir, ça va être horrible. La deuxième est ultra dure. Ok, bah du coup, Dooms, toi, je vais te mettre des photos faciles. Et Marie, je vais te mettre des photos de Tahiti. Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai le thème voiture. Donc voilà, Barbie dans sa voiture. Dooms, ça va être très drôle avec ta magnifique bagnole. Mais non! Ma caisse, elle est pourrave, c'est abuse. J'ai 3 semaines pour changer de voiture. Et bah c'est parti, j'ai envie de vous dire. À bientôt, bonne photographie. Allez, à dans un mois. Bon, on va commencer par la photo de Dooms. Alors premièrement, j'ai mis ce petit body somptueux. J'ai fait mon teint du coup. J'ai l'impression, j'ai une tête énorme, ça m'énerve. Ah, j'ai une grosse tête. Je vais faire l'astuce, tu sais, quand tu veux maigrir ta tête, tu mords tes joues là. J'aurais... Oh c'est dégueulasse. Il faut que j'ai un miroir. Ça tombe bien, j'en ai un, mais... Le miroir de Flavie. Mon miroir. Je vais peut-être passer un coup de serpillère dessus parce qu'il est très poussiéreux là. Ah, ma lampe. Nettoyer. Astiquée. Voilà, du coup ce que je disais c'est que mon miroir est minuscule alors que celui de Flavie est gigantesque. Laissez-moi vous montrer en photo. J'ai les jambes à moitié sous mon lit, y a plus rien qui va. C'est plus compliqué d'être cadré dedans. C'est très perturbant de faire une vidéo en body, là j'ai envie de crever. YouTube, je vous jure, tout est censuré, ne vous inquiétez pas. Il m'a déjà démonétisé des vidéos parce que j'étais en jupe. Alors bon, on est dans l'évolution. Ah ouais, mais elle, c'est chaud, on voit carrément toutes ses jambes et tout, hein. Donc il faut que je me recule beaucoup plus en fait. Mais c'est impossible qu'on voit toutes mes jambes, je me vois même plus moi. Vous voyez rien, ça me fume. Ah mais ça fait super mal à la hanche, mais comment elle a fait, wesh? Je souffre. En fait, il me faut un miroir soit 2 fois plus grand, soit un corps 2 fois plus petit. La mécanique est inversée. Flavie est comme ça, je suis comme ça, son miroir est comme ça, et le mien est... Ouais. Bref, je vais essayer l'impossible, et si j'y suis arrivée, voici le résultat. Later. Oh mon dieu, j'ai mal partout. J'ai mal au coude, j'ai mal aux côtes, j'ai mal aux hanches. Cette photo, c'est un enfer. Comment elle se contorsionne avec les hanches et tout, ça fait trop mal, c'est horrible. Et en plus, moi, comme je suis pas hyper skinny, genre je suis fake, j'ai une grosse tête là, toute grasse et tout. Sur toutes les photos où je suis, tu sais, quand t'es comme ça, j'avais l'air d'un petit marshmallow là, ça m'a cassé la tête. C'est bon, je vais déprimer. En vrai, c'est marrant du coup de voir la différence entre Flavie qui a un corps, on dirait qu'elle fait du sport tous les jeudis alors que je pense pas qu'elle en fasse, et puis moi qui suis un petit peu plus fluffy et tout. C'est beau parce que cette photo, elle met en valeur les courbes des femmes, peu importe leur morphologie. C'est ça qu'il faut se dire, ok? On est toutes belles avec toutes nos formes, mais j'avoue que je galérais quoi à faire la même pose. Je peux pas baisser la tête comme elle parce que si moi je baisse la tête, ça fait... Du coup, ça donnait pas du tout pareil qu'elle, mais j'aime bien la photo quand même. Allez, photo suivante. Ok, alors je reviens d'un tournage que vous allez voir très bientôt. Il faut que je fasse des photos dans le décor comme ça. Donc comme Marie adore faire des photos super compliquées, il faut que j'en fasse une avant qu'il fasse nuit. Sauf qu'il n'y a absolument aucune étoile, hein. On peut voir que c'est magnifique, mais il n'y a absolument pas d'étoile. C'est pas grave, on va faire 100 et on photoshopera. Et j'espère qu'il n'y a pas un psychopathe dans les bois juste à côté qui risque de me tuer. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je suis là pour 2 secondes. Je vous jure, je vous embête pas très longtemps. Vous savez quoi, on va faire des screenshots parce que j'ai trop peur. Genre là, je suis pas du tout à l'aise, j'ai pas envie de rester très longtemps. Il y a des bruits en plus, ouais, je suis aussi chelou. Je vous pose ici. Oh, mais comment c'est beau. Et du coup, elle est toute petite. Vous me voyez? Ah, là, ok. Je suis là. C'est trop bien d'être Marie Frozen Crystal. J'ai l'impression d'être libre. Au milieu de nulle part, à 21h, enfin 20h20, tout pile, quelqu'un pense à moi. Oui, regardez, on voit que mon ombre. Je
suis Marie Frozen Crystal et je fais des rondes dans la nature. On va me prendre pour une folle. Bon, vas-y, je me dépêche avant que quelqu'un me fonce dedans. Donc elle pointe du doigt droit comme ça. Encore. Non, là, je suis trop près. Je vais faire une pause un peu plus stand-up. Ça, c'est plus moi, ça. Voilà, bon. Partons avant qu'un tueur en série ne rapplique. Les gars, je saurais pas comment vous décrire ce qui vient de se passer. Un peu ambiance film d'horreur. J'ai passé une longue forêt avec que de la brume. Mais un peu de la brume qui... par endroits comme un peu comme des fantômes, et c'était terrifiant. Et la forêt était trop bizarre, il y avait même un arbre gigantesque, on aurait dit qu'il était tout sec et tout taillé, comme les herbes de sorcières et tout. Enfin vraiment, je me crois dans une ville de sorcières. Et là, la lune, les gars, je n'ai jamais vu ça. À la caméra, c'est plus clair qu'en vrai, mais en vrai, c'est un peu plus foncé. Elle est toute pourpre, toute rouge. C'est terrifiant. Et du coup, moi, j'étais dans la forêt hantée, comme ça, avec plein de brume, des arbres de sorcières, et je vois ça, mais au secours! On va passer du coup à la deuxième photo, dans laquelle elle a une sorte de débardeur comme ça, mais plus court. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le replier sur lui-même. Spoop. Elle a un collier chaîne, je n'ai pas de collier comme ça. Par contre, j'ai ce petit sac que je peux très bien faire l'illusion d'être un collier. Voilà. Et c'est très froid. Ah. Sur cette photo, madame a les cheveux attachés. Donc je vais faire une queue basse comme ça. Et en vrai, cette caméra, elle cache tous mes défauts. J'aime trop. I love you, sis. I love you. On dirait pas que je suis une femme fatale, là. Bon, sur cette photo, elle est bien maquillée en mode je sais pas comment elle a fait ça, elle a dû suivre un tuto de Gael Garcia ou quoi. Moi, je ne me maquille quasiment jamais comme une pro. Mais j'ai mon attirail. Coucou, parce que vous êtes... Oh. Oh, vous êtes là, c'est vous. Bon, je fais ça à l'arrache, hein. De toute façon, le but, c'est pas que je sois super, c'est que... Ah si, c'est ça le but. Merde. Et maintenant, on fait comme Angel Phoenix, on estompe. Je vais chercher mon mascara, j'arrive. Patience, les enfants, je le sens près de Bali. Oh, vous voulez voir Bali? Je suis sûre que vous voulez voir Bali. Venez avec moi, on va voir Bali. Bali, my baby, regardez-moi ce petit poulet. Ça fait trop bizarre de me voir comme ça, j'ai l'impression d'être dans la vidéo de Marie quand je me faisais gothique, là. Enfin, Dark Sasuke. She's going to kill me. Ok. Niveau look. Et pour finir, je vais juste dessiner un peu son tatouage parce que j'en ai pas. Tatouage d'écriture thaïlandaise ou un truc, je sais pas du tout ce que c'est. Oh. Une petite... Enfin, elle a pas qu'une fleur d'ailleurs, elle en a plusieurs, mais on va faire ça à l'arrache. Hein. Niveau lumière, je sais pas où mettre, hein. La lumière est nulle. Ah, là c'est mieux, la lumière est top, là. Je vais essayer sans les cheveux. Non, c'est moche. Bon, bref, voilà. Je pense qu'on a réussi avec mon super. Du coup, c'est parti. Dernière photo. Alors Marie, un classique, elle est toujours dans la nature. Du coup, je vais rouler jusqu'à une petite forêt tranquille à côté de chez moi pour faire la photo. Malheureusement, il n'y a pas de soleil, donc j'aurais bien aimé avoir une éclaircie, mais je crois que je vais faire semblant sur Photoshop ou quoi. Voilà, en route. Pip pip. Alors, pour cette photo, Marie est habillée avec des petites bottines noires que j'ai copiées. Une robe trop mignonne bleue, moi j'en ai pas, donc du coup, j'ai mis celle-ci qui est trop stylée. De base, elle est pas dans ce sens-là, ça c'est le devant, mais c'est très très court comme vous pouvez le voir, et très très serré. Donc quand je la mets dans le bon sens, c'est horrible, je suis écrasée dedans. Et là, à l'envers, en vrai, ça fait un flow de ouf. Elle est à peu près à cette distance-ci. C'est où mes pieds? Je vois rien, vous êtes trop loin. Et les deux dos, comme ça, avec les mains, ici, comme une petite princesse. Tada! On va se retrouver avec les filles du coup pour le débrief. C'est parti. Voilà, littéralement 4 mois plus tard, nous revoici. 4 mois pour faire des photos, c'est chaud. Le pire, c'est qu'en 4 mois, il s'en est passé des choses. Déjà, Dooms, elle a pris les photos, elle les a perdues. Ah oui, j'ai eu un déménagement compliqué et tout s'est envolé. Elle fait acte de présence, mais c'est déjà mieux que rien. Tu vas pouvoir juger nos photos sexy que tu nous as imposées. Et c'était pas facile, hein, meuf, hein, franchement. Je suis vraiment la bad bitch en mode, je vous mets des photos sexy et bah moi, j'ai pas vos photos. J'ai plus rien, moi. 3, 2, 1 et... Oh, oh. Mais toi, t'as un géant miroir aussi. Je suis trop jalouse. Waouh, vous êtes trop belle. Eh, postez-les, les meufs, vous êtes trop belles. Ça se voit pas que c'est un collant? Non, ça se voit pas. J'ai un leggings, mais quand tu zoomes, tu vois les rayures. Oui, quand tu zoomes, ouais, tu vois d'où. Ça me saoule parce que mon miroir est tellement petit, je peux pas faire comme vous, la position vraiment full allongée où on voit toutes les jambes. Ouais, ouais, moi j'ai de la chance d'avoir un grand miroir comme elle et tout. J'ai essayé de trouver un vase gigantesque pour mettre à ma gauche, impossible. 3, 2, 1 et... Moi j'arrive pas à faire le regard sexy, j'ai... Bah oui, par contre j'avoue que Marie, on dirait que t'as tous les malheurs du monde. Marie. On dirait que c'est les photos quand tu rentres en prison. Oui, un petit peu.
la queue de cheval, meuf. Moi, ça me va pas en tout cas. Genre, je pouvais pas juste attacher mes cheveux en arrière, surtout avec ma wig. C'était dégueu. C'est pour ça les mèches, j'ai un peu triché. Mais Marie, ta photo, elle passe partout, genre en mode victime ou en mode. En mode vraiment, vraiment retenue de pain. Une tolard de 10 ans qui a assassiné toute sa famille. Mais genre, c'est un truc de ouf. Je suis morte. Ça va, tu valides alors? Oui, je valide. Vous avez fait un super effort. Merci beaucoup, les filles. Il faut savoir que pour cette photo, je vais te montrer la originale parce que c'était pas facile. Il faisait pas aussi beau que ce que j'ai dans la photo. Comme ça, c'est. Ah oui! C'est un peu la tristesse quand même. Il manque un peu de soleil, mais le reste est très beau, franchement. Et du coup, j'ai modifié à fond la photo pour essayer de la faire plus ressembler à un jour ensoleillé, mais c'est. C'était dur! Ah non, pas mal, pas mal. Franchement, le soleil sur les cheveux et tout, le reflet. Ouais, mais par contre, la robe, c'est à s'y méprendre, hein, en vrai, hein, un peu plus loin et tout. La robe, les chaussures et tout. T'as géré de fou. Pas mal du tout, hein. Oh, mais ça ressemble de ouf. En vrai, j'ai essayé la tenue, les chaussures et tout, machin. Bon, toi, t'étais dans un parking derrière, moi, je me suis mis au milieu de nulle part, parce que bon... Ah ouais, non, mais ça ressemble trop, c'est super drôle. Et la robe? La robe m'arrivait aux chevilles, à peu près. Donc j'ai dû beaucoup la remonter. J'ai trop hâte de devoir tourner ça, surtout toute seule, pour mettre le plan et tout, ça a dû te galérer. J'ai galéré de ouf. Je t'avoue, je l'ai fait au dernier moment, c'est hier, en rentrant d'un tournage. Sur le chemin du retour, sur la route, il me restait genre 20 minutes de route, et le ciel commençait à devenir de plus en plus sombre, mais j'étais putain, il faut que je fasse la photo de Marie maintenant, genre il était trop beau, il avait plu, il y avait eu beaucoup de brouillard, donc le ciel était très très beau. Je crois que j'aurais pas eu un si beau ciel si j'avais pris avant. Du coup, une photo comme wow ça. Non, oh, genre, pas mal. Genre, c'est ouf. Bon, après la comète, elle existe pas, c'est Photoshop. Franchement, je suis impressionnée. Impressionnée. La position, tout ça, machin, tout y est, de franchement. Je suis choquée. C'était au milieu de nulle part, à côté d'un bois, j'avais trop peur de me faire tuer, genre. J'étais pas à l'aise, hein. La meilleure photo, hein, donc c'était bien évidemment Sun devant sa voiture avec une magnifique tenue totalement appropriée à moi-même. Oh my god! Oh, ça change! Oh la vache! Par contre, la pose meuf, 10 sur 10, genre c'est exactement, mais exactement au millimètre près. T'as des jambes en talons, my goodness. C'était la première fois que je mettais des talons aussi grands de ma vie, c'était ridicule. J'ai tellement galéré! La dernière fois qu'on a fait le concept, c'était déjà ressemblant, mais là j'ai l'impression que genre tu m'as battu à plate couture. Il aurait suffi d'un vase et d'un regard moins tolard, ça serait passé. Bah j'ai pris les fringues cette fois-ci pour vraiment ressembler à fond. Je l'ai fait aujourd'hui, là, la deuxième. Et il y avait un mec dans les bois, au loin, qui m'observait quand même. Genre oh méga glauque. En tout cas, la meilleure d'entre nous, c'est clairement Dooms. Hein. Dooms, tes photos, incroyable. Ah bah je suis d'accord. L'investissement était à 100% et voilà, très contente de moi. Franchement, j'aurais voulu voir ça avec la Twingo. Et bah écoutez, 4 mois plus tard, nous avons terminé ce challenge. Rendez-vous dans 2 ans pour le prochain. C'est ouf. Merci beaucoup d'avoir participé du coup, même si voilà malheureusement on n'a pas pu voir les photos de Dooms, mais c'était grave cool. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, mettre un like sur la vidéo et on en refera d'autres. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Allez.